Énorme. Et ce qui est génial, c'est que mon déménagement ici, mon installation dans ce nouveau mode de vie a été, s'est fait au même moment que la fin, en fait, du personal branding. C'est-à-dire que ce qui était génial, et d'ailleurs, j'ai fait le dernier épisode de podcast, s'appelle Faire peau neuve. Parce que j'avais envie, en fait, enfin, les gens s'en sont bien rendus compte que mon site internet avait changé, que mon podcast avait changé, que l'Instagram avait changé. Et du coup, j'ai un peu profité, en fait, de la fin de nos sessions, de ce chemin, en fait, ce cheminement, pour faire un espèce de pack et montrer que voilà qu'il y avait eu un changement, que je faisais peau neuve en fait, que tout faisait peau neuve, et j'ai expliqué pourquoi, et j'ai aussi mis ça en exergue avec les changements collectifs en fait, tout ce qui se passe au niveau collectif. On est tous amenés exactement à faire ça, c'est-à-dire à s'aligner, à faire ce qui nous plaît, à faire ce qui est vraiment important pour soi. Et à mettre son énergie là-dedans et à arrêter de se battre en fait, à arrêter de contrer ce qui nous plaît pas, arrêter de ça. Et donc voilà ce que j'explique dans le dernier épisode. Mais ce qui était beau, c'était que tout ça se fasse au même moment en fait. Et c'était comme un, j'ai eu l'impression d'accoucher de moi-même quelque part, parce que tout ça était parfaitement aligné dans tous les sens du terme quoi. Et c'était ça qui était génial, c'était super. Ça, c'est vrai ce que tu dis. Ouais, comme une forme de synchronicité.